vivre des moments les plus difficiles. Nous prions le Seigneur, nous prions que la puissance de Dieu vous visite en ces moments les plus douloureux de votre vie, des moments où les gens vous abandonnent le plus, des moments où les gens vous tournent dos, des moments où les gens vous grippent pas, des moments où les gens rencontrent, les gens ne sont pas mieux que vous, rencontrent des choses. Ces mêmes personnes qui vous avez aidé aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui élisent contre vous. Jess Mané, c'est ça, Jess Mané. Nous prions. Continuez de prier. Oh, la vache, chacun de vous. Bless my Lord Jesus. Nous continuons de prier. Non. Lâche-la. La puissance de Dieu. Lâche-la. Libère-la, c'est un art. Si, tu vas la libérer. Si. Lâche-la. Libère-la. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Lâche. Tu m'entends, tu la libères. Lâche-la. C'est un arbre. Tu vas la libérer son âme, tu vas libérer toute sa vie dans le nom de Jésus, tu vas libérer sa vie au nom de Jésus. Lâche-la. Qui es-tu? Tu vas la libérer. Lâche-la. Qui es-tu? Que fais-tu dans ce corps? Détruis. Tu es là pour la détruire, c'est ça? C'est ça? Qu'est-ce que tu as déjà gâché dans sa vie? Hein? Elle ne peut pas quoi? Elle ne peut plus avoir des enfants. Et pourquoi? Elle ne peut plus avoir des enfants. Et pourquoi? Tu veux la détruire. Mais tu l'as déjà détruite. Elle ne peut plus avoir des enfants. C'est ça? Et tu viens d'où? Comment tu entres dans sa vie? Vous êtes trois. Tu peux avoir le nom des trois? Vous êtes trois. Donne-moi le nom des trois. Donne-moi le nom des trois.
Si. Si. Tu vas me donner les noms de toi. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu as gâté son ventre, c'est ça? Pourquoi qu'elle fasse des enfants? Et pourquoi? Hein? Ah, si elle, elle est venue avec qui? L'esprit dit c'est votre. Elle est venue avec elle? Oui, elle est qui pour vous? Ma femme. Okay. Elle n'a pas encore fait d'enfant? Dans l'autre mariage avant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il fait une année. Une année. Et l'enfant qu'elle a fait? Les enfants. Oui, le tout dernier, il a quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui, après les 18 années, elle n'a pas fait d'autres enfants, c'est ça? Ok. Tu n'as pas eu de retard, tout ça? Depuis que vous êtes ensemble? Ça, bon, ça. À partir de quel moment? Une révélation parce qu'il y a un serpent de deux têtes. Non, non, je ne t'ai pas parlé d'une révélation. C'est ce qui est mauvais chez vous. Réponds juste à ma question. Je te pose une question, réponds juste à ça. Je dis, la grossesse qu'elle prend, ça fait combien souvent de mois? Le retard plutôt. Bon, je ne sais pas vous dire parce que elle sent comme c'est là la grossesse. Prions. Des fois, il sent que tous les symptômes de grossesse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Sauf cette, vous, asseyez-vous sur cette rangée. Parce que tous ceux qui sont ici sont les plats. Asseyez-vous là-bas de l'autre côté. Asseyez-vous. C'est un symptôme de grossesse. Mais après, ils ont créé. Et ça a duré combien de temps comme ça? Tout le temps, pendant que vous êtes un ensemble. Oui, ça s'est répété deux fois. Deux fois. Après ça, il n'y a plus eu de choses. Lâche-le. Tu vas la libérer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Non. Si, tu vas la libérer. C'est un art. C'est un art. Non. Si, tu vas la libérer. Un art, tu reçois. Lâche-la. Aujourd'hui, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. C'est votre première fois ici? Oui. Vous me connaissez avant? Non. Non, non, répondez-moi. Vous avez un peu ce problème-là. Répondez à ma question. J'ai dit, c'est pour la première fois. Ah, répondez à ma question. C'est une question-réponse. Ne cherchez pas. Vous me connaissez avant? Non. Comment vous êtes arrivé ici? C'est... Ah. Parce que souvent les gens disent j'ai fait des montages, les gens disent quand j'ai pris pour les gens c'est des montages, tout ça. Est-ce qu'on se connaît ce frère? Non. Okay. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lâcher. Juste après cette délivrance, parole du prophète. Le mois qui va suivre, elle va avoir un retard et ça va partir, elle aura la grossesse. Amen. C'est parole de prophète. Je vois sous forme de qu'on appelle caïman. Les caïmans. Mais le caïman qui est là, c'est comme trois têtes. Le caïman que je vois, c'est des écailles, c'est comme le caïman, mais à trois têtes, et qui est positionné dans son ventre, et qui est en train de tourner. Vous croyez à ce que je dis? Vous, oui, la je délivrance crois. Votre femme? Oui, je crois. Notez ça très bien, parce que vous venez dans le témoignage ici. Okay. Voilà. Notez ça très bien, ces paroles de prophète. Je proclame ta délivrance aujourd'hui par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez son ventre maintenant. Tu la lâches et maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Sors! Allez! Allez! Tu libères son ventre par la puissance qui est
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie et sa puissance se manifeste dans ta vie. Sa puissance se manifeste. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la puissante main de l'Éternel se manifeste dans sa vie. La puissante main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. La puissante main de l'Éternel, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. L'Esprit parle, il sort de ton ventre. Il parle, il sort de ton ventre. Tu pars, tu pars. C'est fini, elle est libérée. Amen. Soyez bénis. La puissance de Dieu. Lâche-la. 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 Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Sa vie ne t'appartient plus. Si? C'est ça? Sa vie ne t'appartient pas. Si? Depuis quand tu es dans sa vie? Ah, tu sais pas? Que fais-tu dans sa vie? Tu fais quoi dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Je m'adresse à toi. Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir. Non. Si. Non. Si. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas la libérer au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Lâche-la, 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 lâche son âme. Tu... Si, si, tu vas la libérer. Elle est à moi. Elle à toi? Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Qui te l'a donné? Je sais. Tu sais pas, mais elle à toi comment? Elle est à toi comment? Elle est à toi comment? C'est ma femme. C'est ta femme. Mais qui a célébré le mariage? Qui? Elle est ta femme. Elle est ta femme. C'est ça? Tu l'as épousée. Oui. Depuis quand? Depuis quand? Et que fais-tu dans sa vie? Tu as gâché quoi dans sa vie? Tu as gâté quoi et quoi dans sa vie? Tout. Tout. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Ses enfants. Ses enfants. Son mariage. Son avenir. Elle devait avoir quel avenir? Brillant. Et tu as gâché ça. Et pourquoi? Parce qu'elle est à moi. Parce qu'elle est à toi. Et pourquoi? Qui te l'a donné? On l'a donné. Qui? L'a donné. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu pars maintenant et tu la libères. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu m'attends? Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Le feu consume tes œuvres. Tu m'attends? Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Non! Si.
le feu consume tes œuvres. Tu vas la libérer dès maintenant. Non. Tu dois la libérer maintenant. Tu dois la libérer maintenant. Sors d'elle. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Oui? C'est Jésus. Au nom de Jésus. Va. Non, elle ne peut pas être à toi. Elle ne peut pas être à toi. Tu m'entends? Elle ne peut pas être à toi. Lâche-la. Cette vie appartient à Jésus. Je suis. Oui, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu vas la libérer. C'est un ordre. Feu! Lâche-la! Le feu consume tes œuvres. Tu m'entends? Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 Je vais la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Ce corps expérimente aujourd'hui la puissance du nom de Jésus-Christ. Son âme expérimente la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en. Quitte sa vie et libère son mariage. Libère sa fécondité. Libère toute sa vie. Libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer parce que c'est un ordre. Parce que c'est un ordre. Tu vas la libérer maintenant. Lâche-la. Non. Si, lâche-la. Non. Lâche-la. Tu vas partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais. Si. Si, tu vas partir. Tu iras au nom de Jésus. Tu iras au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. Allez, lâche-la. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu consume tes œuvres. Voilà, va-t'en. 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 Je brise ce mariage maintenant. Non. Si tu brises ce mariage, je t'arrache cette vie. Tu la libères et maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère son âme, je libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir sa délivrance. Si Jésus te libère, si tu iras au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour les gens, je vais encore au ciel. D'accord? Votre fille? Oui. C'est votre fille? Comment vous trouvez l'état de votre fille? Je suis pas sur le toit, mais je trouve que c'est grave. Hmm? Je trouve que c'est grave. Est-ce que toi et moi, on ne s'est pas vu? Jamais. On ne s'est jamais vu, non? Pas vidéo. C'est pas la vidéo que vous m'avez découvert. Oui. Ouais, mais c'est la connexion. Tout à l'heure, je priais pour toi. Pendant que je t'imposais la main, l'esprit me révèle que le problème même vient de toi. J'appelais des choses à partir de toi qui s'est déclenché dans la vie de votre fille. Comme on est en pleine caméra vidéo, il y a des choses que je n'ose pas dire, d'accord? D'accord. On va régler ça en caméra. Mmh. On ne s'est jamais vu, hein? Mmh. Et quand je t'ai touché, j'ai su que c'était ta fille. Parce que l'Esprit de Dieu me disait que l'origine du problème, c'est un peu ici. Est-ce qu'on peut mesurer un peu le clavier, c'est important. Jouez-moi un peu le clavier, j'ai besoin de mesurer. Jouez-moi un peu le clavier, s'il vous plaît. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus.
peut chanter un peu, s'il vous plaît? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sa destinée, c'est sa vie, bien-aimé, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nazareth, go! Go! Allez! 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 Va-t'en.
Thank you.
Lâche-la. Allez, lâche-la. Libère son ventre. Non. Libère son ventre. Si. Continue avec l'or. Continue. Son âme, la
viens. Laisse le pain d'abord. Définitivement de sa vie. Tu pars, lâche-la. Quitte sa poitrine et va-t'en. Quitte sa poitrine et pars. Cette vie ne t'appartient pas. Tu m'entends? Regarde. Lâche-la. Lâche-la. Dégage. Dégage. Attends.
Voilà. Tu parles en libérant son foyer, tu parles en libérant son mariage, tu parles en libérant ses emplois, tu sautes, tu libères sa vie totalement. Thank you.
nous sommes en train de faire la délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen.
les chaînes tombent et les esprits t'abandonnent maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Les esprits lâchent ta vie. Amen. Les esprits te libèrent. Amen. Dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Là où tu es, Dieu te touche. Amen. Le cancer disparaît de ta table. Amen. Le mal ne reprovoque pas. Amen. L'esprit auquel tu étais marié spirituellement, je prononce le divorce. Amen. L'esprit de misère et de pauvreté est détaché de nos amis. Le mal de Dieu t'apporte la restauration. Amen. Là où tu n'es le mal pas. Amen. Je m'adresse au cancer. Amen. Tu pars. Amen. Tu pars. Amen. Tu pars. Amen. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus te libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je brise les chaînes de l'esclavage. Amen.